Allô? Au Québec, on est très nostalgique. On fait nos histoires se passent toujours dans le passé. On se sert beaucoup comme argument culturel et politique de notre passé. Et Martin, c'est le premier vraiment qui projette Montréal dans 50 ans. Donc, lui, ça n'intéresse pas le passé. C'est pour parler du présent, il se sert du futur. Marcy Avril, c'est une histoire qui se déroule dans le futur, dans un futur utopique. Un genre peut-être moins exploré au Québec, tu sais. Je pense qu'on n'a jamais vraiment vu de films de science-fiction comme ça. Quand j'ai lu les photoromans, tome 1 et tome 2, je reconnaissais déjà des obsessions, je dirais, de Martin dans son univers visuel, là, que ce soit les Marcenautes avec les gros casques. On avait fait des films ensemble à Brébeuf où il y avait déjà ces objets-là. Quand on était jeunes, chez mes parents, il y avait une grande bibliothèque avec beaucoup, beaucoup de bandes dessinées. Très jeune, j'ai côtoyé ça, puis ça a sûrement influencé mes intérêts. Percevez la planète Mars comme un instrument de musique. Les images prises par trois télescopes révèlent que la topographie martienne est en parfaite correspondance avec la silhouette d'un instrument de musique. On va mettre les gens dans le coup. Ouais. On va les embarquer. Alors, dans de ce projet-là, dont on a parlé un peu avec Jacques, qui est tout à fait inhabituel, qui est un livre vraiment magnifique, qui est, si vous voulez, une version moderne d'un roman photo. Mm-hmm. C'est Martin Villeneuve qui a fait ça. Vous écrivez une histoire dont le personnage principal a 70 ans. C'est un musicien un petit peu pervers sur les bords. Et il connaît bien la musique, mais il n'a jamais fait l'amour de sa vie. Et spontanément, vous pensez à Jacques Languirand. C'était un rôle de composition. Quand j'ai su qu'il avait fait le premier roman photo, je pense que les photos ont été faites à l'intérieur d'une seule journée. C'est incroyable quand même. En 2001, la session photo a eu lieu le lendemain des Jutras. Et c'était moi et Marie-Josée qui avaient gagné meilleur acteur et meilleure actrice cette année-là. Ça festoyait pour eux autres. Moi, j'étais un petit peu plus du côté angoissé des choses. Je me disais, ils viendront pas, tu sais. À peu près au moment où il nommait les gens sur scène qui gagnaient, le photographe qui devait faire la job m'appelle chez nous, puis il me dit « Martin, je serai pas là demain, tu sais. » J'appelle, écoute, j'ai dû déranger à peu près 20-25 photographes ce soir-là à me faire accrocher la ligne au nez, probablement avec raison. D'autant plus que c'est avec un mandat de 80-90 images à faire en une journée. Ça rebute... Le photographe. Fait que je suis dans mon salon en train de me prendre la tête, puis il est peut-être 11 heures le soir quand le téléphone sonne, puis qui est au bout du fil? Yannick. Moi, je trouvais la formule vraiment intéressante dans le sens que, tu sais, quoi de mieux qu'un photoroman pour un photographe à quelque part? Et c'était très facile de dire oui à ça parce que ça demandait peu de temps, peu de disponibilité, mais une expérience très excitante, très... faire du photoroman, là... à partir d'un truc de science-fiction, avec les moyens du bord. Robert me dit comme ça, est-ce que tu as déjà pensé faire autre chose avec Marcy Avril? Il dit, t'aurais la matière dramatique pour faire un film. 31 sur 1, troisième. Marc. Action! Une fois que tu te retrouves dans le bain avec l'équipe, tout ça, il y a comme un phénomène un petit peu magique qui se produit, c'est que pendant un mois, tu vis dans le film. T'es dans le film, t'es avec les personnages, t'es avec dans les décors, dans les costumes, dans l'esprit du film. Ça fait qu'on dirait que tout le monde, toute l'équipe vibre sur la même fréquence. Je suis prisonnier de mes rêves. Et la réalité m'étouffe. Je deviens fou. Vous n'êtes pas fou. Peut-être que vous changez the way you perceive the reality. Moi, je voyais monter ce bateau-là, puis je me disais, c'est pas des farces, mon ami. On va-tu y arriver?
disons, le poids de ses idées dans la balance du poids de l'argent ou des ressources dont il disposait. Je veux dire, il y avait vraiment une... c'était vraiment deux poids, deux mesures. On essaie de se préparer le mieux possible, mais pour un truc comme ça, on n'est jamais préparé à 100%. Pour un premier film, disons que c'était peut-être un petit peu ambitieux. Je lance le processus de rétroaction inconsciente. Décollage dans 5, 4, 3, 2, 1. Ça, je dois dire que ça m'a un peu effrayé, me retrouver devant une équipe de cinéma par rapport à la radio. Le cinéma, c'était différent. On a commencé à travailler ensemble dans les livres. C'était drôle parce que c'était des sessions de photos de quelques jours, mais pour le film, c'était une réelle relation sur toute la durée du tournage. C'est pas Paul qui te recule pour te dire « Tiens, je te mets l'instrument dans les mains ». Je pense que toute la mécanique entourant le tournage le stressait particulièrement. Moi, je pensais que c'était une répétition qu'on faisait là. Ah ouais, non. Vous savez, les répétitions, il y en a juste une. Ils tournaient depuis le début. J'ai un problème de mémoire. Je veux dire, je suis plutôt un improvisateur. De me souvenir des phrases, là, tu sais, et qui sont pas les miennes, en plus, qui sont celles d'un autre. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider pour me faire un souffleur à l'occasion, si tu veux. Un autre instrument vu, si un je comprends bien. Un autre instrument vu, si je comprends bien. Et pas n'importe lequel, j'ai hâte que t'en joues. J'ai l'habitude de dire que je suis l'adjointe et la conjointe de Jacques, ou le contraire. Ça dépend à qui je parle. Moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un. Ah bon? Elle est comment? Elle a un regard vibrant. Elle a un regard vibrant. Et ça m'a sauvé la vie également, parce que si elle n'avait pas ça, moi, j'aurais pas été capable de faire le film. Le plateau était un mode d'exécution, carrément. Toutes les décisions créatives ont été faites en pré-production. Où la caméra va être placée, c'est quoi la lentille, qu'est-ce qui va être construit de façon virtuelle, qu'est-ce qui va être construit de façon réelle. Mon personnage est un personnage dont la tête est virtuelle. C'est sûr que ça m'a obligé de travailler en asperge. Là. J'étais habillé en verre, prisonnier d'un aquarium vert. Puis c'était très, très sévère parce que faut pas que tu bouges plus que la tête, plus que ça. Faut que tu... En tout cas, il y avait plein de paramètres, tout ça. Puis là-dedans, faut que tu jazzes. Je suis un passionné là, de ouais, ça. Et en plus, ce que moi je fais dans le film, là, c'est vraiment, ils prennent que ma tête puis ils la mettent sur le corps de quelqu'un d'autre. Ils vont tourner, je serai pas là, ce qu'ils vont décider de faire avec l'interprétation du corps du gars qui va faire mon corps. J'ai aucune idée. Ce qui est plus étrange, c'est de la cagoule. C'est pas de me dire qu'il va avoir une autre tête à sa place. En plus, il y a l'espèce de collier de lampe de poche, plus l'espèce de couronne de Noël. Il a l'air d'un espèce de... Le masochiste de Noël. Son seul problème, c'est le souffle. Excuse-moi. Ah, c'était très difficile. C'est un défi que j'ai aimé, l'écran vert. J'ai beaucoup aimé ce défi. Puis, quand il est arrivé avec ça, je me suis dit, d'accord, on va le faire comme ça. Ça ne me gênera pas. Ça ne me gênera pas parce que si je dois avoir telle émotion, c'est-à-dire que là, je vais aller chercher dans mes tripes quelque chose pour le faire, vous comprenez? Je m'étais dit, j'ai fait beaucoup de théâtre moi, dans ma vie. Pas de décor, on connaît ça et tout et tout. T'as pas de... Tu peux t'agripper à rien. Puis, c'est très étrange que ça fait, c'est que t'as juste toi, finalement, puis... Puis on dirait que tes paroles atterrissent nulle part. C'est très bizarre. Je pense qu'on avait des accessoires, justement, dans Mars et Avril. Sinon, c'est difficile de croire en ce que tu fais, finalement. Des fois, ils collaient un peu de décor ou de façon un peu grossière. Qu'est-ce qui allait être derrière nous? Et tout de suite, ça donnait... Ah, mon Dieu, OK, là, ça respirait. Là, on le voyait, là. Ça aide, effectivement. Le vide. Mais bon, quand tu retournes tourner, t'es quand même dans le vert. Puis le vert, on dirait que c'est pas idéal, hein? Ça pouvait être orange ou bleu ou vert. Le gros défi de faire le film, c'était de donner finalement un corps puis de montrer ce que les livres montraient pas, c'est-à-dire de quoi l'univers a l'air dans le futur de Montréal.
Et moi, comme référence, j'ai sorti les albums de François Skaten. Parce que voilà quelqu'un qui a un imaginaire qui est totalement en lien avec ce que je voulais faire, en tout cas ce que j'avais envie de voir à l'écran. Je considérais même qu'il y avait déjà une partie de lui dans Mars et Avril, parce qu'il y a des lieux du scénario que j'imaginais en pensant à certaines de ces bandes dessinées. À un moment, je prends mes courriels dans un café, puis je reçois un courriel de François Skaten en personne. Je suis arrivé chez lui, à Bruxelles. Je suis monté dans son atelier. Et puis, c'était vraiment un décor tout à fait comme dans ses bandes dessinées. Là. C'était un moment assez particulier pour moi parce que, comme je dis, depuis que j'ai 11-12 ans, que je lis ses BD, puis je suis un grand fan, et puis je savais pas à quoi il ressemblait non plus. T'sais. J'entendais sa voix, il parlait au téléphone. « Assoyez-vous, je suis à vous tout de suite. » Fait que je m'assois, j'étais comme rencontrer M. Skaten. Il finit son appel, vient s'asseoir. Et... « Bon, alors, dites-moi tout. » Qu'est-ce qui vous amène ici? Pourquoi moi? Etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc, mars et avril? La demande de Martin était effectivement d'arriver à construire un petit peu la cohérence artistique, visuelle, et surtout avec toutes les dimensions futuristes. Quel culot, etc. C'est fou, quand tu penses à ça. Il est allé le trouver chez lui, etc. Puis il a dit, j'ai une chose à vous demander. Moi, je veux faire un film, je veux que ça va être comme ça, puis je voudrais que vous fassiez le décor. Quel décor? Il dit Montréal en 2050, mettons. J'aime bien quand les gens parlent de leur ville, de leur histoire. J'aimais bien le rapport qu'il avait avec Jacques Languirand, le fait qu'il veuille le mettre dans ce film. L'idée de voir Robert Lepage aussi lié à ce projet était très excitant. Ce sont tous des éléments qui font, je me dis, tiens, c'est un casting original. Et j'aimais bien l'idée, évidemment, que ça passe par des livres. Je suis avant tout un auteur de livres. Ça me faisait plaisir de voir qu'il avait d'abord commencé par ça. Est-ce que tu m'entends par l'ordinateur ou pas? Oui, on vous entend maintenant. Alors je vais raccrocher le téléphone et je vous retrouve sur l'écran. Ah ah, oui, bonjour. Oui, comment ça va, madame? Ça va très bien, on travaille fort. Alors quand on a commencé à réfléchir sur l'avenir de Montréal, je lui ai demandé de me nourrir de tout ce qu'il... de tout ce qu'il savait, d'abord sur les documents, sur l'histoire de la ville, et puis après sur son avenir, sur ses possibles futurs. J'ai fait le tour pendant un an de toutes les universités, les cabinets d'architectes, tous les projets, en fait, d'utopie de Montréal depuis les années 60. Puis on envoyait nos sélections à Schuiten en disant « Qu'est-ce que vous pensez de ça? » Puis ça a été comme un jeu de ping-pong. C'est ça, c'était son projet de maîtrise? Incroyable. Ah oui, un truc incroyable. Il y a un dialogue, il y a une façon un petit peu de... Je me rapproprie un petit peu, mais j'adore être à son service, être à son écoute. Je me vois mal, je ne suis pas Montréalais. Donc pour moi, il était clair que c'était lui qui devait mettre le doigt sur les éléments les plus intéressants, les plus significatifs. Absolument. Ouais. Mais il fallait que ce soit dans le film. Hein, ben oui. Pour... Ce que M. Schuiten a proposé de faire, c'est... de construire Montréal en couches, comme si on avait voulu tout à coup la grimper. Il faut voir comment ces images, ces esquisses, le regard du réalisateur aussi, évidemment, qui est au cœur de tout ça, peut se concrétiser avec ces outils-là. On doit donner l'impulse, on doit donner l'intention, la vision, mais après, c'est d'autres qui vont le finaliser, le créer. Il y a une quarantaine de personnes qui travaillent sur des tas de... changer la couleur du décor, changer la température, mettre des arbres, etc. Puis, je trouve ça absolument extraordinaire, cette magie-là. Je suis content parce que toutes les belles idées dont on discute depuis tant d'années prennent forme, finalement. C'est vraiment Martin qui est l'alchimiste. Dans cette affaire. Il prend des choses, il les balaxe. Et... Mais il a eu un courage absolument étonnant, lui. Persévérance. Ah, persévérance, et puis... Ouais. C'est une des premières qualités d'un cinéaste. Oui, oui. C'est pas d'avoir du talent, c'est d'être persévérant. Oui, c'était très juste. Toute l'histoire passe à travers la musique. Puis moi, je veux dire, je suis complètement nul en musique. C'est-à-dire que j'ai aucune connaissance musicale. Il a fallu que je fasse de la recherche pour exprimer par les mots ce que je savais pas. Qui sont avant, là.
Les autres sont plus à corde. Hein? Ouais, c'est un film qui joue énormément sur la dimension sonore et musicale. Et j'avais dit à Martin, tout le temps, je disais attention, attention à la musique. C'est un aspect considérable. Ça peut tout détricoter, cette histoire-là. Et je suis arrivé à Montréal avec beaucoup plus d'inquiétude sur la musique que sur l'image. Et donc, ma première demande, c'était rencontrer le musicien, écouter ce qu'il allait faire pour justement voir si enfin cette alchimie extrêmement délicate et particulière allait se réaliser sur le film. Fait que quand est venu le temps de choisir un musicien pour ce projet-là, ben c'est certain que le défi était de taille, puis c'était pas nécessairement évident de trouver la bonne personne. Et puis ça a été quand même assez lourde tâche, dans le sens où t'as le personnage principal qui est complètement en pamoison devant son art, donc faut pas que la musique elle soit plate ou cheap, là. C'est comme une grosse commande. Il faut juste que tu fasses, Martin, il faut que tu fasses de la musique géniale, là. Ah, OK, super. J'ai essayé de créer une musique sensible, avec une certaine sensibilité, quelque chose d'étrange, de moderne, d'amalgamer tout ça, que ça soit rythmique aussi. Puis j'avais aussi la contrainte du fait que les images étaient déjà faites. Donc, il a fallu que je me cale aussi rythmiquement, voyant la chorégraphie de la foule et des personnages sur la scène. Martin m'a donné des idées qu'il avait pour des instruments de musique, parce que ces personnages jouent des instruments de musique un petit peu étranges. Les instruments sont des amalgames d'instruments. Tu vois, un bout de flûte là, un bout de saxophone là, un bout de truc. Donc, tu peux pas t'en aller dans des sonorités complètement étrangères à la forme. Le gars de la musique, lui, il est ravi de découvrir des instruments absurdes, parce que c'est vraiment pas simple de faire la musique à partir de ça. Et c'est là qu'on verra s'il est bon ou pas. J'ai essayé des trucs qui étaient plus formels, des saxophones, des trucs comme ça. Et j'ai réussi à faire beaucoup de trucs avec, justement, avec le Mini Moog, parce que le Mini Moog est un synthétiseur très simple qui fonctionne avec des oscillateurs qui sont très riches et donc qui peuvent ressembler à des vrais instruments, à des flûtes, à des clarinettes, à des cors, à des trucs comme ça. OK, ben écoute. Bonjour! Salut, merci tout le monde. Hein? Super. Je vais vous expliquer le contexte, mais ça va être un autre. Je pense pas que c'était une solution d'exclure tout ce qui s'était fait dans l'histoire de la musique pour représenter le futur. Le danger, c'est de vouloir trop faire futuriste. Puis là, ça peut l'être pour quelques temps, mais tu réécoutes le film 10 ans plus tard, puis. La musique, elle vient complètement démodée. Donc, j'ai essayé de rester un petit peu intemporel à travers ça, à travers l'orchestration puis certaines des compositions dans le film. J'ai fait des trucs un petit peu, des chorales, un peu à la Bach. Certaines musiques électroacoustiques aussi qui m'ont inspiré, comme la musique des années 40. Moi, je trouve qu'à cette époque-là, il y avait une espèce de une poésie par rapport à toute l'imagerie qu'on se faisait de l'espace. Et donc, il y avait un optimisme qu'il n'y avait plus aujourd'hui et qui était dans la musique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu es devant un film qui se sert de l'esthétique science-fiction pour faire de la poésie avec la vérité. La réalité physique. Ce qui est magnifique dans la nécessité de la science-fiction, c'est que ça nous parle tellement bien du présent. On sait d'ailleurs qu'on se trompe à peu près à tout coup, quoique il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui ont sans doute été beaucoup plus visionnaires que bien des spécialistes économiques ou des spécialistes de tous ordres. On est capable de rêver de façon incroyable, puis c'est étonnant de voir à quel point ça se matérialise peu dans notre réalité. La réalité est souvent profondément plate et décevante. Alors que tu regardes des livres comme ceux de François Chuiten, tu regardes des pièces de Robert Lepage, tu regardes des films de Terry Gilliam, c'est des rêves. C'est un tour de force, il me semble, pour un premier film d'avoir été aussi ambitieux
et d'avoir réussi à ce que cette ambition se retrouve, elle soit là. Moi, quand j'étais adolescent, je m'imaginais pas que c'était difficile à ce point-là de faire un film. Je me doutais bien que c'était de l'ouvrage et que c'était difficile, mais pas à ce point-là. De le voir, là faire, c'est si on veut, son premier long métrage, puis d'assister à ça, d'en faire partie, c'est quelque chose, là. C'est une grande chose.